côté marché-action, les pulsations du CAC ou l'absence peut-être de pulsations du CAC. Direction la cellule info d'experts de Bourse Direct pour y retrouver Romain Daubry. Rebonjour Romain. Bonjour Cédric. 6179 points, plus 0,29. On manque ou pas de pulsations ? Ah, c'est pas très nerveux, en effet. Pour l'instant, c'est assez technique. On est toujours dans cette phase d'attente. On a une semaine qui va beaucoup s'animer. Encore une fois, des chiffres de l'inflation et puis les résultats, le début de la saison des résultats, ça devrait débloquer un peu tout ça. Et puis l'échéance des marchés dérivés en fin de semaine. On a plutôt l'idée que c'est un marché dans lequel les investisseurs se laissent porter. Il est difficile de payer les niveaux actuels. Et puis on n'a pas très envie non plus de sortir d'un trend qui est assez fort globalement. Pour lesquels on a pour l'instant des signaux d'essoufflement, un peu d'épuisement, mais pas de signaux de retournement encore. C'est plus comme ça que je lis. Donc, ce qu'on fait, c'est que jusqu'à vendredi, on constate qu'il y a beaucoup de couverture toujours dans les portefeuilles. Donc, même en cas d'alerte baissière, ce ne serait pas de nature à surprendre les investisseurs. Alors, on rappelle que le niveau de couverture, c'est pas une assurance complète sur le fait que le marché ne baissera pas, mais c'est le fait que si le marché se met à baisser, tout le monde ne va pas courir et se protéger. Il y a déjà un niveau de protection qui est mis en place. En revanche, ce n'est pas le cas après le mois d'avril. Sur le mois de mai, c'est peut-être en train de se mettre en place, c'est toujours un peu tôt, juste après l'échéance, mais on constate que sur juin, qui est une échéance importante, et bien, il n'y a toujours pas du tout de protection dans les portefeuilles, et ça laisse un vide un peu à surveiller. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on surveille des niveaux techniques. On est toujours à l'intérieur de cette structure, ce fameux grand biseau, cette grande structure de moyen terme. Donc, c'est quand même une figure d'épuisement, d'essoufflement. Pour l'instant, on n'a pas de faiblesse à l'intérieur et on sait que ces figures, elles ne sont pas toujours très propres, qu'on les déborde souvent par le haut ou qu'on en fait de fausses sorties par le bas. Donc, on va surveiller plutôt des horizontales, des niveaux techniques. Notre première alerte, elle est à 6139 points. Alors là, pour la séance en intraday, vraiment en zoomant un peu plus, c'est 6150, 6180. Vous voyez qu'on a buté sur 6187 tout à l'heure. Et on a une médiane à 6171 dans cette petite consolidation latérale. Pour l'instant, on est au-dessus de 6171. Donc, on considère graphiquement que c'est un signe de force d'accumuler au-dessus. Donc, 6171, c'est vraiment l'alerte très, très court terme. L'alerte intraday, c'est 6139. On a un niveau important à 6081. Et puis, en dessous, l'alerte de court terme, le niveau vraiment charnière, en dessous duquel on sait qu'on a pas eu d'intérêt, c'est 5993, 6024. Là, ce serait pas bon de rompre ce niveau. Et puis, ça romprait la borne basse de ce fameux biseau. Et là, on aurait quelque chose de plus gênant. Mais vous voyez qu'à court terme, il n'y a pas beaucoup de signaux de faiblesse. On a même donc des possibilités d'extension qu'on évoquait, 6201, 220, pourquoi pas, aller chercher des excès. Nous, on profitera de ces niveaux-là pour alléger et secourir. Ouais. On a un driver qui est important qu'on surveille, c'est le Nasdaq qui a réactivé une dynamique haussière depuis une quinzaine de jours. Donc ça, on le suit, on considère que tant que la dynamique est positive de ce côté-là, c'est bien, mais on voit aussi qu'il va vraiment falloir plus que jamais sortir des indices, vraiment faire du stock picking. Le cas flagrant sur l'indice CAC 40, c'est Stellantis qui paye toujours, qui a un parcours haussier, tandis que Renault est vraiment à la peine. Et puis on procède comme ça par petites touches sur des valeurs. On a des dossiers qui nous intéressent. On est rentré quelques jours sur Tarkett qui se comporte vraiment très bien et qui a un potentiel vraiment intéressant. Et puis on fait des choses plus dynamiques avec des valeurs comme deux CRSI sur lesquelles on est rentré avec aujourd'hui et pour lesquelles on a un petit potentiel de hausse d'une dizaine de pourcents, pourquoi pas en séance. Quelques conseils distillés par Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci beaucoup Romain. Bonne séance sur le marché. 6180 points pour le CAC qui progresse de